Conseil constitutionnel proclame élu président de la République. Quand le Conseil constitutionnel a été créé, il prenait 5 décisions par an. Donner de la substance à ses droits constitutionnels. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel prend 100 décisions par an. Ça donne toute sa place à l'état de droit. Le Conseil constitutionnel, mode d'emploi. Le contrôle a priori de la loi. Épisode 4. Pour juger a priori, c'est-à-dire avant qu'elle ne soit promulguée, de la constitutionnalité d'une loi, le Conseil peut être saisi de deux façons. À l'origine, ce sont le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou celui du Sénat qui peuvent chacun saisir le Conseil. Mais depuis 1974, lors d'un vote d'une loi et avant qu'elle ne soit promulguée, 60 députés ou 60 sénateurs ont le pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel. Exemple, ce matin, les sages sont saisis par plus de 60 députés et plus de 60 sénateurs sur la loi dite Sécurité globale 2, une loi qui vise notamment à introduire dans notre droit un cadre légal à l'utilisation des drones par les autorités. Une fois enregistrée par le secrétariat général, cette saisine est envoyée aux membres du Conseil. Ils ont un mois pour rendre une décision de constitutionnalité. La question qui nous est posée, c'est est-ce que, oui ou non, cette disposition législative est conforme au droit ou contraire au droit ? Et l'instruction débute par la rédaction par le secrétaire général du service juridique d'une première note d'analyse qui doit contribuer à éclairer la décision des neuf sages. Alors, comment ça marche ? Pour toute décision, je nomme un rapporteur. Ce rapporteur étudie la question attentivement, il travaille avec nos juristes et il élabore un projet de décision. Ce projet de décision arrive devant notre collège, nous en discutons. Au sujet des drones, ça présente une utilité pour lutter contre un certain nombre de délits, mais ça présente aussi des dangers. Si vous suivez à la trace et qu'on regarde où vous allez, qu'on filme l'intérieur de votre domicile, qu'on connecte le film avec la reconnaissance faciale, qu'on garde ça pendant plusieurs années dans les dossiers. Ça donne des régimes qui ne sont pas exactement des régimes conformes à ce qu'on veut pour la France. Nous devons pouvoir dire, est-ce que, oui ou non, la loi a respecté l'état de droit. Nous avons dit dans ce texte, hier, dans notre décision, le précédent texte avait été annulé. Celui-là est meilleur et voilà ce qui est acceptable et voilà sur quoi ça pose encore des questions. Saisi sur 4 articles de la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, le Conseil censure partiellement les dispositions relatives au recours aux drones dans le cadre de la police administrative et assorti de 5 réserves d'interprétation le reste des dispositions contestées. Comme la vingtaine de décisions de constitutionnalité prises par an. Cette décision s'impose à toutes les autorités publiques et juridictionnelles et ne peut faire l'objet de recours.